Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Alors évidemment, si vous aviez bien vu, bien suivi l'épisode de la semaine dernière, nous ne sommes pas à Newcrest, nous sommes bien à Soulany, puisque les deux Saint-Paul sont en vacances. Voilà. Ah, la dernière fois, on a fêté un des 12 événements entre Lionel et Hélène, et là, maintenant, tout le monde est en vacances dans cette petite maison de Soulany. Et ben voilà, c'est une maison, on va dire, oui, comme je dis, donc encore une fois, de vacances. Et vous retrouvez à Newcrest, bien sûr, quand les vacances seront finies. Pour l'instant, on va couler quelques jours tranquilles à la plage, profiter des récifs, des dauphins et de tout ce qu'on peut trouver. Et ça, c'est bien. Bon, bah, Hélène a l'air de kiffer sa petite chambre de maison de vacances. Dans une jolie baignoire, certes en bois, ça rappelle peut-être ces jeunes années, je ne sais plus quand est-ce que j'ai rénové les baignoires, mais hein, voilà, la vue est plutôt pas mal pour l'instant. Bon, elle a la vue sur son chéri, mais c'est cool, hein. Et puis sur la terrasse à côté, eh bien nous avons, je vais vous montrer, nous avons un joli jacuzzi quand même, hein. Et puis regardez-moi cette vue, quoi. Pff, le pied, mais quel bonheur, les enfants. Ah bah tiens, on a Geneviève qui a trouvé notre adresse pendant les vacances. Après, pourquoi pas, hein? Ça marche aussi, hein? Bon, bah très bien. Bon, Lionel aussi. Lionel. Non, Lionel, il est debout, il prend son petit déj. Mais Joseph est aussi venu nous voir, donc c'est trop cool. Tu vas faire des grimaces, tiens. Comment ça va? Voilà, bah ça regarde la télé. Hein. Ça a une vue de ouf, mais ça va regarder la télé. Ah, ça c'est Lionel. Lionel, il s'ennuie déjà. Il se dit, oh non, mais moi je regarde la télé, je crois, faut pas déconner. Bon, tu vas discuter avec tes beaux frères et sœurs, tu vas chanter la chanson du jour férié, puisque nous sommes toujours, eh bien, en vacances d'été, n'est-ce pas? Ah, il faut nettoyer. Ah bah, ça va être sympa, oui. En même temps, lui, il m'a pas l'air très facile. Voilà, hein, donc. Qu'est-ce qu'il y a, Eva? Ah, Eva, tu te calmes. Tu te calmes, Evette. Oh, ce bleu magnifique, c'est incroyable. Si tu t'ennuies, tu vas regarder la télé, mais voilà, tu peux regarder le film actuel. Il y a ta sœur qui vient. Vous êtes trop belles, les filles. Réjouissez-vous d'être en vacances à la mer, là, sous la nuit. C'est quand même trop cool, hein. Ah, bah lui, ça y est, il se met à chanter. Bon, bah, à plus, Geneviève, alors. C'était sympa de te voir. Voilà. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont choqués? J'ai pas quand même mis. C'est pas comme l'histoire, vous vous souvenez de Joséphine et de sa jupe culotte là, qui faisait voir la culotte ou je sais pas quoi. C'était un peu chiant. Bon, vous allez vous lever les filles maintenant. Voilà, hein, ça va aux toilettes, tout ça, ça fait ce qu'il faut. Bon, toi, tu devras aller te doucher après. Oui, tu vas te doucher. Ma petite Laura, parce que tu commences à puer. Voilà, tu vas prendre la salade de fruits comme tout le monde et puis après, on va aller s'amuser dans l'eau quand même. Eva? Qu'est-ce que tu fais, Eva? Bon, bah, va faire la vaisselle, comme ça remplira. Oui, alors, c'est pas vraiment dans cette pièce-là qu'il faudrait que tu le fasses. Tu sais, il y a un évier dans la cuisine, mais bon, c'est pas grave. Et puis après, tu pourras, si tu veux, un peu nager dans l'océan, ma petite. Ça te fera plaisir. Voilà, mets-toi en maillot de bain et go. Ouh, ça tourbillonne ici. Esther, viens là, ma belle. Tu peux appeler un dauphin, on va voir si ça fonctionne avec toi. Oui! Ah, oh, trop cool, tu vas parler à dauphin. Tu vas nourrir dauphin, caresser dauphin et parler à dauphin. J'adore les dauphins, c'est trop mignon. Puis le soleil se couche déjà, ben oui, parce que la journée a été courte, hein, et ça a été de la grasse mat, surtout, hein, pour la famille. Donc voilà, ils font leur life là. Hop là, bon ben il est parti. Bon bah c'était cool quand même, hein. Toi tu peux continuer à nager dans l'océan. Voilà, profites-en ma petite. Ah bah d'accord, tu fais de la plongée. Bah écoute, c'est bien si tu fais de la plongée. Eva! Oula! Bah elle a fait un truc, mais oh, regardez-moi ça! Oh my god, c'est trop beau! Elle s'était fait bronzer un petit peu. Anaïs, d'accord, toi tu seras juste levée pour aller. Il est déjà 18h, il va faire nuit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait aussi de la plongée. Bah c'est bien. Bah tu vas venir nager avec tes sœurs là, tout le monde. Allez, tout le monde va venir nager là, ça suffit.
Qu'est-ce que tu fais? Non, arrête, Hélène, c'est bon. Tout le monde va nager. Allez, hop. Lionel aussi. Y a pas de, on a peur de l'eau qui tienne. On va manger. Je vais ranger parce que vu que le majordome a eu du mal à faire à manger, je range le manger qu'on ne gâche pas. Eva, Eva, qu'est-ce que tu fais? T'as fini de te faire bronzer? Moi, tu vas aller aux toilettes et puis tu retournes dans l'eau, ma cocotte. Attends, tu rigoles, non? Allez, petit bain de minuit pour tout le monde là. On est vraiment au bord de l'eau ce coup-ci, hein. Allez, ça nage, ça nage. Alors, on va regarder dans les yeux de Lionel. Ouh, quelle belle maison au bord de l'eau. Ouh, quel beau coucher de soleil magnifique. Pour Hélène, c'est la même chose. En plus, elle va droit vers la lune. Elle s'est dit, mais peut-être qu'il y a un trésor là-bas. On ne sait pas. Eva, bon, bah, elle est aux toilettes. Alors, Kester nage un petit peu. Laura, elle nage aussi. Et puis Anaïs, elle est partie nager. Donc, parfait. Ça, c'est une bonne journée de nageade. Allez, Eva! Allez, Eva! Tu vas dans l'eau. Ta-ta-dan, ta-dan, ta-ta-ta-ta. Et hop là! Et c'est parti! Comme ça, tout le monde fera un petit peu en plus. Oh, on l'entend souffler. C'est trop drôle. Mais comme ça, c'est cool. Ça fait du bien à tout le monde, là. Tout le monde profite de l'eau. Regardez-moi ça. Quand il fait chaud, quand c'est l'été, c'est clair que tout le monde en a envie. Bon, ça badine, ça badine, les enfants, là. Tu vas frimer en montant tes muscles aussi, Hélène. Tu vas le draguer. Qu'est-ce que tu fais, Laura? Tu sais pas quoi faire, mais va te doucher, va discuter, fais ta vie. Oh, ma bichette, qu'est-ce qui t'arrive? A bu la tasse, zut! Va aux toilettes, ma biche! Et elle, elle fait du tuba, elle s'éclate. Bah, écoutez, c'est bien. Hein. Vas-y, tu. Ouais. Oh oui, envoyez un baiser. Oh les amoureux! En même temps, ils sont jeunes mariés. Hein. Regardez, il y a encore ça. Bénédiction du soleil personnel. Regardez-moi. Oh mon Dieu! Il a peur dans l'océan, le petit Lionel. Bah, dis donc! Alors qu'au temple, tu as bravé des choses beaucoup plus importantes que ça et t'as peur du fond de l'eau, alors qu'on voit tout ce qui se passe. Ma, qu'ils sont mignons. Ah, qu'ils sont beaux. Vas-y, tu vas lui offrir une rose à ta femme. Un baiser passionné. D'ailleurs, elle s'appelle toujours de Saint-Paul. Hein. Elle n'a pas changé de nom de famille. Elle y tient, ce nom de famille. Ah, c'est beau, les enfants. Oh, zouzou. Regardez-moi ça. Et hop là! Le petit roulage de pelle, comme il faut. Ils ne se sentent plus. Hein, les amoureux. Oh, toi aussi. Oh, tiens, ma chérie. Oh, oui. Oh, ce que c'est bon. Et puis, vous allez faire un petit crac-crac quand même, là. Hein, vous allez fêter ça. Hein. Vous allez aller dans votre chambre. Alors, regardez-moi ça. Là, c'est l'amour. Hein, c'est l'amour. C'est l'amour qui triomphe. Hé! Ah non, il veut dormir direct, lui, mais non, attends, dis. Tu vas dire à Hélène, viens ma chérie, nous allons aller craquer dans le lit de la belle chambre à l'étage. Oh, Colette, arrête de nous casser les reins, hein. Alors, draguer, discuter avec Hélène, mais tu lui proposes un crac-crac ou comment ça se passe? Quand même, je vais pas m'y reprendre à 15 fois à chaque fois pour vous demander de faire quelque chose. Ça y est! Ok, c'est bon, il est 22 h, ils sont fatigués de la veille. Hein. Le mariage a été long et fastidieux, donc. Oh là là! Ça a fait des conneries là! Laquelle des deux a fait des conneries? C'est pas grave, tu nettoies. Laura, elle va bientôt grandir, la choupette. Hein, faut se l'avouer, elle va bientôt grandir. Hein, dans un jour, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas travailler ton empathie, tu vas jouer au docteur un petit peu avant de grandir. Et Anaïs, eh bien, on a encore un peu le temps, donc pour l'instant, ça va. Esther, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'es échouée là-bas? Viens à la maison! Viens à la maison ici, ce sera mieux. Je pense que. Ah bah oui, hein. Au pire, si tu peux faire ça dans l'eau, moi je veux bien, ça ne me dérange pas. Tiens, tu vas venir nager ici. Tu vas. Ah. Wow, ok, d'accord. Bah, viens jusqu'à la maison. Allez, vas-y. C'est pas grave, tu vas y arriver. Je crois en toi, ma petite Esther.
Voilà, tu vas sélectionner le petit toilette. Oh, mais Geneviève, elle revient. Ils ont déjà fini leur crac-crac. Bon, bah, ils vont faire dodo, c'est tranquille. Eva, faudrait pas que. Waouh! Quel joli fond marin! Que c'est beau! Bon, allez, Eva, tu vas rentrer quand même, parce que c'est bien sympa, mais il va être minuit. Tu veux le bain de minuit? Quand même, je veux bien, mais pas trop. Et vous? Qu'est-ce que tu fais, Anaïs? Bah, c'est bien si tu discutes avec ta tata, hein? Avec ta tati! Ta tati, ta tata! Si tu veux, tu pourras aller jouer aussi un petit peu avec. Voilà, parler, réconforter, et puis. Après, ce sera au lit tout le monde, quoi. Il est à peine 6 heures! Oula! Oula! Et on a déjà Lionel qui est au taquet, là. Il a faim, il dit: Oui, bah, c'est bon, là. Hein, hier soir, ça a été une grosse journée. On a bien nagé, on a bien forniqué. Ah, oh, bah, et du coup, ils peuvent quand même s'asseoir là, les genoux dans le meuble, hein, quand même. Hein. Je vous rappelle que pour l'instant, nous n'avons pas encore les comptoirs qui vont avec le meuble de type paradisiaque. Donc, en fait, j'ai mis la chaise là pour faire joli, mais ils peuvent s'asseoir carrément. Bon, bah, écoutez, tant mieux pour lui, hein. Ah, mal Hélène. Ah, bah, ça y est, elle a changé de nom de famille. Oh non, c'est pas drôle. Bon, bah, tu peux manger un truc si t'as faim. Obadi, eh? Lionel, qu'est-ce que tu fais? Tu bois un coup dès le matin, toi? Ah ouais, t'es comme ça. En même temps, c'est les vacances, hein, j'ai envie de dire. Oh, il a tout, Max, mais c'est parfait. Ah là là, quel homme, quel homme. Si bien, tu peux aussi boire un toast avec lui, non? Jeter des confettis. Ouais, c'est trop cool. Ouais, c'est trop bien les vacances, les enfants. Bah, je dis ça et puis aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui ont repris les cours ou le boulot. Donc, je suis de tout cœur avec vous. Vous inquiétez pas, je pense à vous aussi. Mais bon, là pour l'instant, mes deux Saint-Paul sont en vacances, donc c'est eux les stars. Voilà. Bon, du coup, je leur ai installé une petite table d'archéologie pour voir les trésors qu'ils ont trouvés pendant qu'on était dans la jungle. Bah, tant qu'à faire, hein. Autant voir. Je veux dire, ils les ont dans les bagages. Donc, ils vont regarder ce qui se passe dans les mottes de terre qu'ils ont récoltées. Lionel va essayer d'aller conduire cette chose. Bon, après, il a déjà un très bon level de fitness, donc ça devrait être nickel pour lui, hein. Enfin, fitness, 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 fitness. Niveau 5, oh, ça va, c'est pas extraordinaire, mais. Ben quoi? Mais conduis, Gugus, alors. Mais. Oui, non, mais je sais que tu l'aimes, ta femme, mais quand même. Je t'ai demandé de conduire ce truc, c'est pas. Allez! Bah écoute, vas-y, ah, conduis! Je sais pas, moi. Bah non, il veut pas. Mais conduis-le! Zut! Allez! Tu gâches tout, là. Ah, mais il veut pas y aller! Mais bon, sang de bonsoir, mettre dans l'inventaire. D'accord, si tu veux, oui. Et si, une fois qu'on l'a mis dans l'inventaire, tu veux en faire quoi? Bah d'accord, celui. Mais je sais pas moi, fais vroom vroom avec mon petit. Se promener. Ah voilà, se promener. Oh la vache, ça fut compliqué. Alors. Oh oui! Bon attention à pas te prendre un. Bon bah au moins il s'éclate. Hein. Voilà. C'est le seul homme de la famille, il faut bien qu'il fasse un peu de vroom vroom, sinon ça ne marche pas. Ah voilà! Lionel qui fait le zouzou sur son truc. Regardez, il va assassiner sa femme. Non, ça va. L'Hélène qui fait plouf plouf. Et les dados qui font bronzette. Regardez-moi ça. Oula, ça commence à bronzer, les filles. Ça commence. Hein, l'Hélène? Esther, excuse-moi, je commence à. Oh, qu'elle est mignonne. Elle est trop kiki, hein, cette fille. Mais elles sont toutes les deux très belles. Et après, on va voir le premier mélange de notre couple, de ma jeune mariée d'ailleurs, qui sera Laura, vu qu'elle va devenir ado. On pourra voir à quoi elle ressemble. Pour l'instant, elle fait joujou dans sa chambre. Oh la pauvre biche, elle a besoin de parler. Oh bah tu discuteras avec lui, tiens. Parler, raconter une histoire. Mais ne l'injurie pas, c'est pas cool. Oh! Elle est cramée! Regardez-moi ça, elle est noire! Ben, elle est de la même couleur que son père, presque. Oh, c'est incroyable. Arrête de bronzer aussi, je pense. Oh là 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 là. Regardez-moi ces filles toutes cramées. Ben, écoute, tu vas faire. Plouf! Allez.
Elle est moins cramée qu'Eva. Hein. Eva, elle est quand même bien, 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 bien. Bah, tannée, j'ai envie de dire. Donc là, elle va ressembler comme à son père, c'est bien. Oh, il y a des ordures qui traînent. C'est bien, il est où le majordome là? Il s'occupe à faire quoi en fait? Hein? Ah, d'accord, il attend que ça se fasse tout seul, lui, la vie. Tu vas aller bosser, oui? Gestion. Bon, non, excusez-moi. Attribuer une tâche. Eh bien, nettoyer un objet sale. Non, mais il faut tout lui dire à celui-là. Oh, bah, elles peuvent effectivement s'asseoir là pour discuter et tout. Oh, c'est cool. Oui, ça chante et ça chante. Ouais, c'est la fête! Ça me fait trop rire, cette histoire. Allez, un atelier sculpture de sable, ça vous dit? Tout le monde vient s'éclater à faire une sculpture de sable. Ouais, une superbe tortue pour Esther et Anaïs. Normalement, les filles devaient le faire ensemble, elles le font pas, mais c'est pas grave. Allez, Hélène. Viens, viens, viens. Avec ton mari, faire une super sculpture. Oh, c'est trop kiki, j'aime beaucoup trop, moi. Les vacances, comme ça. À faire. Oh, mon Dieu. À faire des sculptures de sable tous ensemble, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'elle est cramée, Eva, mais c'est un truc de fou. Hein. Regardez-moi cette couleur de peau. Et c'est vraiment le premier jour des vacances, donc. La pauvre, elle va devenir black. Et nous avons un duo de requins avec un nain à l'intérieur, ça veut tout dire, avec pour Eva, Hélène et Lionel. Bon, ben c'est bien tout ça, c'est très bien. Tu veux faire des grimaces à ta fille? Tu as plein de factures, bah oui, pourquoi pas. Hein. La différence de ta couleur de peau, elle est juste ouf. Vous ne l'aviez pas demandé? Mais voici la chorale des deux Saint Paul's Girls. Voilà. Laquelle chante le pire, le plus mal, je veux dire, le pire. Laquelle chante le pire, ça veut rien dire. Mais il faut bien réaliser les objectifs de notre jour férié. Vous voyez, ça commence à monter un petit peu. Si do. Oh là 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 là! Regardez-moi ces looks! Soul, 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 soul! On est sorti au resto! Alors, je préfère vous dire tout de suite, normalement, c'est un restaurant qui est normalement dans l'eau. Hein. Enfin, voilà. Oh! J'adore la tenue! Bon, tu vas réserver une table pour toute la familia. Tout le monde s'est mis sur son 31, alors forcément, l'Hélène, cette tenue, elle est un peu ouf, hein, donc. Ok, vous allez rejoindre un peu bah, le père de famille, d'ailleurs, allez ici ensemble, comme ça au moins c'est fait. Oh là là, qu'est-ce que tu es beau, Lionel? Tu as mis ta belle chemise pour aller dîner au resto à Soulani, qui est pas loin de la maison, hein. Mais comme ça, on va tester un petit peu si c'est des bons restaurants ici. C'est un restaurant que j'ai téléchargé sur la galerie, hein. Oh, c'est trop kiki. Oh non, on va être séparés, c'est trop nul. Bon, bah voilà, encore quelqu'un qui pense pas au restaurant, à la famille. Alors, par contre, j'adore la tenue des serveurs, les enfants, regardez-moi ça. Bon, lui, par contre, il a bien été nourri, hein, Luciano, mais oh là là, c'est très rigolo, j'aime beaucoup. Alors, c'est un restaurant de poissons, nous avons commandé, mais franchement. Ce bronzage, Eva, ça fait trop bizarre, quoi. Bon, ça fait encore plus ressortir ses yeux, mais. Ah, c'est dommage qu'ils soient pas tous à la même table, mais bon. Oh! Enfin, un jeune serveur. Oh là là, c'est la fête, hein. Jonathan Blomgren, il est un peu. C'est bientôt l'anniversaire d'Eva! Non! Non, on va déjà passer aux années 2000, mais non, moi je veux pas. Attendez, ça va trop vite, là. Ça va beaucoup trop vite. Moi, je veux pas terminer ce challenge. Je m'en fiche. On recommencera. Et puis, c'est tout. Tiens, tiens. Il y a même Geneviève qui est venue y manger avec son mari. Ah oh non. Le monde est petit quand même. Hein. Tout le monde... on va à Soulani en vacances. Ça y est, il y a tout le monde qui s'y pointe. Hein. Alors, monsieur est visiblement resté bloqué dans les années 70. Mais en même temps, il a un pur look. Donc, pourquoi pas. Oh, le dîner est servi. Ah, alors les filles ont eu droit à un petit verre de cocktail. En même temps, vu qu'Eva va bientôt fêter son anniversaire.
Allez, c'est la fête, quoi! C'est trop bien, on sort au resto. Les filles, elles ont directement à manger. Il y a de la tourte, il y a du saumon, il y a du tout ça. Bref, régalez-vous, bon appétit, les amis de Saint-Paul. Amusez-vous bien. Oh, Geneviève est juste là. Putain, mais ils arrêtent pas avec leur confetti, leur pétard et tout, quoi. Je leur donne pas forcément l'occasion de le faire, mais ils le font eux-mêmes. Regardez-moi ça, ils sont tous contents et tout, mais c'est ouf. Vous imaginez un peu le bordel, ils sont plus contents de fêter un jour de vacances que d'aller fêter un vrai anniversaire, quoi. Bon, pour la prochaine fois. Oh, comment ça? Oh là là, Laura clignote! Eh bien, pour l'épisode prochain, on la fera grandir, et ça, c'est cool! Et nous voilà rentrés à la maisonnée des vacances! C'est beau, les vacances! Tout de suite, vous allez faire un petit crac-crac tous les deux, hein. On va pas me perdre de temps. Au lit, au là. Tout le monde, eh bien, va faire ses petits besoins, tout ça. Toi, tu vas directement au lit. Allez! Propositions indécentes. Oh, les amoureux, ils sont flingués là. Ah ben en même temps, vous vous levez à 6h du matin. Qu'est-ce que vous attendez après? Vous croyez quoi? Oh là là. Oh là là, ça va être compliqué. Bon, on est sur une lune de miel vacances, hein, donc c'est obligatoire le petit crac-crac. Voilà. En plus, l'Hélène, elle est légèrement malade. Elle a la tête qui tourne, donc un bon dodo, ça lui fera du bien. Oh. Ne me mords pas là, chérie! Qu'est-ce que tu fais? Eva est déjà partie au lit, mais elle est cramée, la pauvre. Elle y va. Elle fait pipi dodo et elle est déjà au dodo, mais t'as oublié de faire un pipi. Oh non, 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 par contre. Anaïs, dormir, j'ai demandé. Dormir. Oui, voilà, un vrai dodo, ma jolie. Ah, tu préfères du coup aller dormir de l'autre côté du lit. C'est logique. Voilà. Il manque Laura. Allez, Laura. Allez. Prochain épisode, elle deviendra adolescente. J'ai trop hâte de voir sa bouille. J'espère qu'elle sera très mignonne. Sur ce coup-là, moi, alors c'est terminé, terminé, réussite, 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 et bien c'est parfait. Moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu pour ces premiers jours de vacances à Soulani. Et certainement pas les derniers. N'hésitez pas à mettre un petit com, un petit like, à vous abonner, à faire tourner ma chaîne aussi, hein, auprès de vos amis, pourquoi pas. Et regardez une petite pub sur YouTube. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite des Decade Challenge. Salut!